Yo à tous les gars, toute nouvelle vidéo les amis. On va ouvrir notre choix joueur icône moment, enfin non, choix joueur icône base. Donc on est parti les Reyes, on est parti icône de base au choix. Moi les gars, je vais directement faire la tech, c'est à dire je vais regarder les caractéristiques des trois joueurs. Vous les gars, excusez-moi, mais c'est comme ça la vie. Vous allez voir directement les trois joueurs, ça fait chiant. Donc, les gars, c'est un des meilleurs trois joueurs du jeu. Si je pack R9, Cruyff, Pelé, Zidane, Ronaldinho, un des joueurs extraordinaires, hors du commun, comme Puskas, Cantona, etc. Ce serait extraordinaire. Donc on est parti. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bismillah. Moi les gars, je veux pas le joueur. Ok. Les gars, on commence directement avec les caractéristiques du joueur. Déjà, ça commence très mal. Ça commence très très mal. Je vois qu'il n'y a pas de caractère. Wesh. Les gars, est-ce que c'est possible? Il y a zéro caractéristique du joueur. Bon, ok. Oh, bah, ok, c'est un peu... Poste. C'est un gardien. C'est qui? C'est Mitchell. Aïe, 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 catastrophique. Ok, bon, j'espère qu'il y a mieux. Ok, bon. C'est parti, le prochain icône. Donc là, on a eu un des pires. Donc allez, 1, 2, 3. Ok, ok, déjà ça commence très bien. Dribble rapide. Intuition. Coup franc puissant. Dribble technique, ça c'est très bien les gars. Très bien. Très bien. Ensuite. Physique, 67. Défense, 41. Triple, 93. Passe, 88. Garicha! Po! Garicha exceptionnel! Ok. Ça c'est le troisième. Le troisième. Ok, 1, 2, 3. Ah, pas de caractéristiques. Tireur de loin. Ok. Bon, ça m'a parlé d'être incroyable. Physique, 83. Défense, 86. Dribble, 78. Ouais, c'est bien les gars. Les gars, ça me fait penser à quelqu'un. Ouais, ça me fait penser à Zira. Ok, passe 80, wesh. Tire 63. Ah, les tirs c'est un peu trop bas. Vitesse 80. Et ça sera petit. Petit, ça va les gars. Ouais. Ça va, ça va. Oh les gars, incroyable ce joueur. Incroyable. Si vous voyez ce que je veux dire. Là les gars. Ah les gars, franchement. C'est exceptionnel. Oh là, ce joueur, les gars, il est légendaire. Bon, de toute façon, les gars, je vous dis direct, hein, s'il y a un de vous, les gars, dans mon live...
can't put out. Carve your name into those shining stars. He said go venture far beyond the shores. Don't forsake this life of yours. I'll guide you home no matter where you are. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. When I was just a kid, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights that never die. My father told me. Me voilà de retour, c'est exceptionnel. On vient de Pâques. Une très très bonne icône. Il se nomme tout simplement Garincha. Voilà, incroyable ces joueurs. Incroyable. 90 de général à son icône base. Vous vous rendez compte, les amis? Oh là là là, c'est pas rien. Je vous jure, c'est pas rien. Comme Garincha, c'est un joueur hors norme. Bon, on va regarder c'est quoi ses postes. Donc c'est un attaquant droit ou un milieu droit. Ok. Ben ok. Je vais tout simplement regarder aussi. Ben si on peut changer de dispositif. En sachant que ben en vrai il me faut au moins 2 MDC. Donc voilà. Donc il y a, voilà. Donc déjà il y a. Sinon il y a une composition qui m'intéresse, c'est celle-là. 4-2-3-1 qui pourrait être très intéressante. Mais mis à part celle-là, j'ai regardé si on n'a pas une par hasard. Donc voilà. Ok, il y a celle-là, mais elle, ça m'intéresse pas trop. Ouais. Oh. Non, ouais, non. En fait, si. Ça, ouais, ouais, c'est ça que je veux. Ouais. Elle m'intéresse énormément celle-là. On met 2 MDC. 4-4-2, c'est parfait, je pense, hein. On le joue ici, attaquant droit au milieu droit. On le joue en milieu droit, je pense. Mais il n'y a pas moyen de jouer 4-4-2 et avec des attaquants. Parce que je préfère Garincha en AT. Enfin, en AD. Genre comme ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Genre, il faut 2 MDC, déjà. 2 MDC, c'est le minimum. Et 2 buteurs. C'est assez compliqué comme composition. Voilà, voilà. En fait, non. Ouais, c'est bien, mais il me faut des attaquants. Genre, en mode, il faut qu'ils soient attaquants. C'est bien comme ça, mais il me faut. Genre, il faut qu'ils soient des attaquants, tout simplement. Et après, non, c'est pas bon parce que il y a 3 défenses centrales. Il me faut des ailiers aussi. Comme ça non plus. Comme ça non plus. C'est un peu complexe. Compliqué. Ouais, non. Ok, ben c'est pas grave, on joue 4-4-2. Ben c'est bien 4-4-2, les amis. Bon, mis à part les lignes et tout, genre, c'est faire attention à la défense. Mais voilà, quoi, ça va. C'est pas dégueu, quoi. Je vous le dis. Donc, les gars, oh là, une nouvelle icône dans notre équipe. Si ça, c'est pas exceptionnel. Voilà, on compare avec Kewel. Kewel. Ah, ok, bon, on compare pas. Mais bon, bref, non, franchement, Garincha, c'est un monstre, y'a rien à dire. Ouais, frère, ça va être un des. Ben, de la meilleure de mon équipe. Avec Garincha, mais ça, en termes de joueurs, ben, franchement, c'est un très bon joueur et. Ben, on le prend direct, hein, y'a pas de. On va faire ça. Bon, juste là, du coup, Kewel, est-ce qu'il peut se mettre un MJ? Ah, bon, là, on a un nouveau souci. C'est que là, en fait, on peut pas. Attends, on peut le mettre en quoi lui? Je crois qu'on peut le mettre en AT, je suppose. Hein. Je crois, je suis pas sûr. En AT ou sinon en buteur. Mais je suis pas buteur, c'est pas sûr. Ah, voilà. MOC, attaquant gauche, milieu. Ah, et ben il n'y a pas de milieu gauche. J'ai rien dit. Ben, c'est bon, le milieu gauche, non? Mais pourquoi il est pas? Pourquoi on peut pas le. Ben, go mettre milieu gauche, non? Je tremble pas en fait. On est peut-être un bug, je sais pas.
Voilà, mais gauche. C'est bon? Non? Ben voilà, c'est parfait. Les gars, c'est exceptionnel. Mais que dire? Que dire? Ce jeu est exceptionnel. Oh là là. Je suis trop content, les amis. Bon, je suis content, mais après, il y a des petits. Voilà, c'est un peu dommage qu'on a plus Sidolf. Sidolf, franchement. Regardez-moi ses stats. Voilà. Très bon joueur. Mais on a Garincha, les gars. On peut pas se plaindre. Garincha, il... exceptionnel. Bon, bref. Maintenant, les gars, je vais vous dire moi ce que j'aimerais avoir plus tard, etc. par rapport à mon équipe actuelle. Donc là, en termes de mon équipe, j'ai une très bonne équipe. Voilà. En vrai, là, t'as vu si je pourrais mettre Mané. En vrai, c'est vrai, je peux mettre Mané, pas faux. Bien vu ça. Mais après, là, des meilleures stats. Ok, ouais. Mané, peut-être plus tard, je sais pas. Mais peut-être c'est plus pour les SBC, Mané. Mané, très bon joueur. Je l'aime trop encore. Bref, moi, ce que je disais, si plus tard je pourrais améliorer un joueur ou quoi, ça serait buteur. À la place de Govou. Très bon joueur, Govou. Regardez-moi ses stats. Mais je voudrais mieux parce que. Il faudrait un joueur qui a beaucoup de vitesse, genre comme les joueurs de World Cup, etc. Hero World Cup. Genre comme comme plusieurs joueurs qui sont très rapides. Et voilà, après Tinatale, c'est un très bon joueur. Il nous faudrait peut-être N'Golo Kanté. Mais ça, à la place de Kimmich, mais ça, c'est pas sûr. En DC, ben Van Dijk. Voilà, à la place de un des deux là. Et voilà. Mais sinon, à part ça, il me faudrait en vrai, j'ai une très bonne équipe. Ben après, à part ça, ce qu'il me faudrait, ça serait plutôt, j'aurais envie de dire, je sais pas moi, une très bonne icône. Ouais, en fait, c'est que des icônes qu'il me faudrait. Et des joueurs spéciaux, mais de très bonne qualité. C'est-à-dire avec des très bonnes notes. Genre, si t'as eu, je sais pas, que Benzema, BU direct. Bref. Du coup, là, les amis, je vais juste vendre Alisson. Bon, je pense que ça va être la fin de la vidéo, là, sans plus tarder. À part ça, je crois qu'il y a un pack, ouais, voilà. J'ai failli l'oublier. Donc en vrai notre pack les amis, pack premium, pack joueur premium or avec 3 joueurs or rare, donc 80 plus général garantie, donc ça c'est des bons packs. Donc bismillah, on va l'ouvrir, on va voir si ça sera animé ou pas. Et il y aura des lumières, et ça sera, oh pas mal, Tadic, ouais bon, mais en vrai c'est bien, non les gars. 80 plus général garantie. Wesh. Incroyable. 2,84. C'est très bien. Ah là, cette fois, il nous régale, mais à 100%. En plus, en Odegaard, je l'ai jamais eu. Enfin, si, tout le temps. Enfin, je l'ai jamais. Hein. Enfin, je crois que c'est le seul que je pack jamais, pratiquement. Mais bon, en tout cas, les gars, je vais vous laisser. Je vais vous dire ciao, bye, c'est peace. On va se retrouver pour une toute prochaine vidéo, les amis. Sur ceci, n'hésitez pas à vous abonner, les gars, à liker le stream, la vidéo. Et je pense que je vais faire des lives sur Fortnite, donc n'hésitez pas à checker, voilà. Je vous remercie, portez-vous bien, c'était Kaïs, ciao.